Dans cette prairie gorgée d'eau, un rayon de soleil ne suffira pas à rendre le sourire à Cyril Brigonnet. Une semaine complète de beau temps, c'est ce qu'il espère pour enfin faucher son herbe, mise à mal par les orages quotidiens. Elle commence à pourrir au pied, elle jaunit. Et voilà, ça va être dur à faucher. Et il n'y aura pas beaucoup de repousse. Enfin, la repousse sera plus longue derrière. Et au niveau de la qualité? Ah ben, la qualité, elle sera beaucoup moindre. Étant donné qu'on a dépassé le stade des piaisons. Donc là, elle est en train de mûrir, elle va jaunir maintenant. Une fois fauchée, le jeune agriculteur le sait, son foin prévu pour nourrir ses bêtes cet hiver n'aura pas tous les nutriments nécessaires. Il faudra donc peut-être apporter un complément aux animaux, ça veut dire des dépenses en plus, et tous les éleveurs ne pourront pas y faire face. On est aujourd'hui dans un contexte où une surenchère sur le prix de l'alimentation, c'est quelque chose qui ne peut pas être supporté par les exploitations agricoles à cause des prix de la viande qui ne montent pas, à cause du prix du carburant qui monte sans arrêt. Aujourd'hui, les exploitations ne peuvent pas se permettre de dépenser plus d'argent pour la ration de leurs animaux dans les mois qui viennent. Cyril Brigonnet compte sur la repousse, mais il n'est pas certain de pouvoir faucher. L'herbe nouvelle servira certainement à son troupeau, car aujourd'hui, les pâtures mouillées se fragilisent sous le poids des vaches. Ben là, vous pouvez voir, elles écrasent l'herbe quand elles passent. Donc, celles qui sont couchées, elles ne vont pas la manger parce qu'elles l'ont souillée. Puis après, ben, c'est pareil, vu que c'est couché au pied, ça va mal repousser derrière. Et donc, elles gaspillent de l'herbe. Incertitude aussi du côté des maïs. Certains épis ont été abîmés par la grêle, d'autres ne pousseront jamais dans ce sol imbibé.